Bonsoir. Je vais donc tenter la prouesse de tatouer du papier tout en vous parlant. On va voir comment ça se passe. Alors, avant tout, je voulais quand même commencer par expliquer pourquoi c'était l'homme blanc grisonnant plutôt que la jeune portoricaine qui parle ce soir. C'est tout simplement à cause de la langue, parce que Maria ne parle pas français, donc c'est moi qui vais parler ce soir en notre nom. Tout en essayant de tatouer en même temps, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai des trucs à dire, j'ai pas mis l'ordre, donc je vais le faire dans n'importe quel ordre. En fait, ce qu'on est en train de faire, on a utilisé un texte dont je vais vous parler un peu plus tard, de Cléa Chopard, qui s'appelle « Figure du patriarcat », qui va paraître bientôt. Dont on a extrait 200 mots. Ces 200 mots, on les a tatoués en blanc sur noir, enfin en blanc à l'encre blanche sur du papier noir. Et ensuite, on a repassé tous ces tatouages blancs avec de l'encre noire. Donc le résultat, c'est du noir sur noir. Peut-être que quand je vous lirai le texte, vous comprendrez pourquoi on fait du noir sur noir, peut-être pas, c'est pas très important. On a préparé déjà 96 des 100 cartes. Et là, la performance, bah, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est la journée qu'on a passée avec mon petit camarade à préparer ces cartes. Je suis désolé de ne pas vous regarder, mais parce que je suis tout en même temps. Et on a simplement gardé 4 cartes à tatouer pour la performance, parce qu'évidemment, on n'avait pas le temps de tatouer 100 cartes en 12 minutes. Et comme vous le voyez, c'est quand même particulièrement de la galère. Je vais d'ailleurs nommer les gens que vous voyez sur la vidéo qui nous ont aidés pour les cartes. Il y a Laura Mateescu, Colin Frank, Henry McPherson, Barbara Vakova et une personne qui a souhaité rester anonyme. Enfin, c'est compliqué, je vous expliquerai après la perf aussi, vous allez savoir pourquoi. C'est pas important pour la perf. La vidéo, la musique que vous entendez sur la vidéo s'appelle « Musique funéraire pour le lavement du corps ». C'est les gamelons de Bali qui ont enregistré ça. De nouveau, le titre vous dira, peut-être vous ferez une connexion avec le texte ou pas, c'est comme vous voulez. Pardon, c'est moi, comment ça marche. Je vais peut-être nous présenter rapidement, comme on a un peu de temps. Vous avez vu sur le programme que c'était écrit Maria Brice Sappho-Catrin. Donc je vais vous lire la biographie de Maria Brice Sappho-Catrin, tout en tatouant. Maria Brice Sappho-Catrin est née à New York-Bruxelles, en 1994-81, IL pratique l'improvisation libre comme pianiste violoncelliste. IL s'est rencontrée à Huddersfield, au Royaume-Uni, dans le nord de l'Angleterre, en 2018, où IL vit. IL a travaillé sur diverses créations et performances de Émilie Gérard Charret, Outi Condit et d'autres gens aussi. Sa première collaboration en tant qu'artiste visuel était intitulée Edible Series, ça date de 2018, soit une série de 100 tatouages de prison sur papier artisanal, un peu comme ce qu'on fait maintenant, mais ça c'est la deuxième série en fait. Sa première pièce en tant que compositrice pour n'importe quel instrument solo, commandée et créée par la violoncelliste baloise Katie Goldmoser, s'intitule Watching Paint Dry, ça date de 2019. Peut voir sur internet, c'est assez super. Si vous voulez savoir plus de choses sur Maria Sappho, qui est donc à ma droite, comme vous l'aviez tous compris, vous pouvez visiter mariasappho.com. Et si vous voulez savoir plus de choses sur Brice Catrin, qui est à la gauche de Maria Sappho, vous pouvez aller sur bricecatrin.org. On va commencer par les trucs commerciaux, les cartes qu'on est en train de terminer, on va les vendre à la fin de la perfo, parce qu'on a décidé de faire une carrière comme vendeur de cartes. À 20 francs la carte, après si vous vous sentez une âme de mécène, on peut négocier. Enfin, il y a des prix plus élevés. Les 100 cartes font l'objet d'une exposition dans la vraie vie à Huddersfield et également en ligne. Si ça vous intéresse de savoir, on sera ravis de vous en dire plus. Je pense que je tatoue beaucoup trop doucement, mais je pense que Maria l'a vu. Voilà, tout ça pour en arriver quand même au cœur de l'affaire, c'est-à-dire le texte de Cléa Chopard. Donc le texte de Cléa Chopard, je l'ai expliqué tout à l'heure, s'appelle « Figure du patriarcat », c'est à paraître. Je ne sais pas quand, mais bon, ça, vous verrez bien. C'est un texte pas très long, mais quand même plus long que 200 mots, et avec Cléa, on a choisi 200 mots de ce texte
qu'on est en train de finir de tatouer maintenant. Je vais maintenant vous lire les 200 mots qu'on a choisis. Je commence. Homme 3S. Dragueur, prétentieux. Croisé à un mariage. Plutôt beau gosse, mais petit. Me disait que de toutes les filles avec qui il avait eu des relations, j'étais la plus intelligente. Parlait de René Girard. Complètement désimpliqué et indifférent. Surgissait parfois, puis disparaissait pendant plusieurs semaines. Toujours trop saoul pour faire l'amour. Médecin 1. Très soutenante à l'adolescence. Note de frais exagérément élevée. Facturait tout ce qu'elle pouvait. Prenait une grosse commission sur les factures du psychologue à qui elle m'avait adressé. Lors d'un épisode dépressif, m'a dit avec agressivité « De toute façon, vous n'allez jamais bien, je sais pas, vous êtes peut-être bipolaire. » Violeur 1. Même classe que moi aux Beaux-Arts. Sûr de lui, très conscient de sa valeur, convaincu de son intelligence et de sa supériorité. Ne m'avait jamais adressé un regard, m'a enfermé dans une salle sous prétexte qu'il avait besoin d'un avis sur un texte. M'a dit que j'étais magnifique, m'a embrassé avec passion, j'avais envie de lui, j'ai dit non, pas ici, pas maintenant, a continué, me suis laissé faire, a recommencé plusieurs fois au cours des mois suivants. Je ne dormais plus, je ne luttais plus, j'y suis même allé de moi-même une fois.